Bonjour, bonjour. Je salue tous mes abonnés, les nouveaux et les anciens. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre un secret. Toi, il y a quelque chose qui te tient à cœur, mais tu ne parviens pas à voir cette chose. Mariage, voyage, une promotion dans ton lieu de service. Enfant, je dis bien tout ce qui te tient à cœur, mais c'est difficile pour toi d'obtenir cette chose. Abondance financière, prospérité, tout ce que tu désires. Tu vas juste prendre les feuilles de laurier. Sur chaque feuille, tu vas écrire ce que tu désires. Si c'est l'argent, je prends un exemple, hein. C'est un exemple que je prends. Tu écris avec un feutre vert. Parce qu'avec le stylo, ça sera compliqué d'écrire sur une feuille de laurier sèche avec le stylo. Donc, c'est mieux d'utiliser un feutre vert ou un marqueur. D'accord? Tu écris argent. Tu prends une autre feuille de laurier, tu écris mariage. Tu prends une autre feuille de laurier, tu écris si tu veux la grossesse, tu veux tomber enceinte, tu dis grossesse. Si c'est un visa que tu cherches, tu écris visa. Si c'est voyage, tu écris voyage. Dis, ne compte pas le nombre de feuilles. Prends les feuilles et écris chaque souhait sur une feuille de laurier. Tu ne peux pas prendre une feuille de laurier et tu écris plusieurs choses sur une seule feuille. Non. Chaque feuille avec son vœu, son souhait, argent, finance, santé, protection, prospérité, abondance financière, tout ce que tu veux. Faut pas compter les feuilles. OK? Dès que tu finis d'écrire tout ça, tu vas prendre un bout de papier blanc. OK? Sur le bout de papier blanc, tu prends un stylo vert. Tu écris ton nom. Moi, tel, donc tu écris, exemple, je vais prendre moi, hein, Tata Michel, fille de, j'écris le nom de ma mère, même si ta mère ne vit plus. Tu écris ton nom, ta date de naissance, le nom de ta mère et sa date de naissance, si tu connais, parce que c'est très important. Si tu ne connais pas, tu mets juste le nom de ta mère. Moi, tel, fille ou fils de tel, je demande à mes ancêtres de m'ouvrir toutes les portes. Santé, amour, argent, tout ce que vous désirez. Donc, les mêmes vœux que vous avez écrits sur les feuilles de laurier, c'est ce que vous allez écrire sur le bout de papier avec un stylo vert. Je veux si. Donc, vous allez forcer à l'univers de vous donner. Pas que je voudrais, je veux. Et quand tu dis je veux, c'est avec foi. Tu écris, dès que tu finis d'écrire tout ce que tu désires, tu dis merci, tu finis par merci. Tu vas prendre les feuilles de laurier, là où tu as écrit tes souhaits. Ok, là, je parle des feuilles de laurier déjà. Ok, le bout de papier, vous mettez à côté. Vous prenez les feuilles de laurier où vous avez écrit amour, voyage, visa, tout ce que vous voulez. Vous les prenez, vous mettez entre vos mains. Vous lisez le premier verset du psaume 23, trois fois. OK? Dès que vous avez fini de lire le premier verset du psaume 23, vous allez froisser ces feuilles avec vos mains. Vous allez les émietter avec vos mains. Vous allez les froisser avec vos mains. OK? Maintenant, vous allez obtenir la poudre. Si ce n'est même si ce n'est pas poudre, poudre là, parce que les mains ne peuvent pas écraser comme peut-être la pierre, mais faites les efforts de les froisser. Donc, dans ce cas, les feuilles doivent être bien sèches. Ok? Vous les froissez avec vos mains, vous froissez. Il faut avoir un plat, hein? Le plat doit être blanc là où vous allez froisser vos, parce qu'il faut que ça tombe dans le plat. Bien, même un tissu blanc comme vous voyez sur la table là, même un tissu blanc. Ensuite, vous allez ramasser toutes ces feuilles que vous avez écrasées avec vos mains. Okay?
une partie, vous allez mettre dans le parfum Mont Saint-Michel Ambre Authentique. Je dis bien une partie. Ça veut dire que la poudre que vous avez obtenue, vous allez obtenir, vous allez séparer en deux. Une partie, vous mettez dans le parfum Mont Saint-Michel Ambre. D'accord? L'autre partie, vous allez faire l'encens avec, faire un bain d'encens avec l'autre partie. C'est-à-dire, vous allez allumer votre charbon et vous versez ces feuilles de laurier dans le charbon. Ça va faire la fumée. Et vous faites le bain d'encens avec, tout en faisant vos vœux avec foi. OK? L'autre partie que vous avez mis dans le parfum, vous allez ensuite prendre la feuille où vous avez écrit votre nom, le nom de votre mère. Ce que vous avez dit à vos ancêtres, vous avez demandé à vos ancêtres, tout ce qu'il y a écrit ici. Vous allez juste plier, enrouler la feuille. Vous enroulez la feuille comme ça, ok? Vous mettez à l'intérieur du parfum Mont Saint-Michel Ambre. Vous ajoutez un bâton de cannelle. Si vous n'avez pas un bâton de cannelle, si vous avez la cannelle même en poudre, ok? La cannelle en poudre, c'est ça, ok? Vous mettez un peu de cannelle en poudre dans le parfum Mont Saint-Michel Ambre. Donc, dans le parfum, il y aura les feuilles de laurier que vous avez écrasées avec vos mains à l'intérieur. Il y aura le bout de papier où vous avez écrit vos souhaits, ce que vous avez demandé à vos ancêtres dedans, et la cannelle. Ensuite, vous allez fermer. Vous allez laisser poser 3 jours. Je dis bien 3 jours. Mettez ça à l'abri des regards. Laissez poser 3 jours. Au quatrième jour, vous allez prendre le bain. Donc, quand vous finissez de vous laver, prenez votre seau que vous utilisez toujours pour le rituel. Vous mettez une bonne quantité d'eau. Ce qui est dans la bouteille, là, dont je parle du parfum, vous allez utiliser pendant 3 jours. Vous vous rincez pendant 3 jours, tout en lisant le premier verset du psaume 23, 3 fois. Pendant 3 jours, vous pouvez prendre le bain le matin ou le soir, à l'heure qui vous arrange. Mais si vous commencez à prendre le bain, par exemple, le matin à 6 heures, durant les 3 jours, vous allez prendre le bain à la même heure à 6 heures. Si vous décidez de prendre le soir, peut-être à 18 heures, 19 heures, 20 heures, 23 heures, vous allez toujours prendre le bain à la même heure. Vous allez vous-même voir un changement. Vous allez vous-même voir les portes qui vont s'ouvrir, ce que vous avez demandé avec foi. Quand vous demandez, mettez déjà dans votre tête que vous avez reçu ce que vous avez demandé. On ne fait pas les rituels en disant, ah, est-ce que ça va me marcher? Non. Faites avec foi. Et ayez le cœur propre. Vous allez obtenir ce que vous demandez à l'univers. OK? Je dis bien. À faire, vous allez vous rincer 3 jours, je dis bien 3 jours seulement, pas plus. Donc vous allez vider cette bouteille en 3 jours, mettre juste dans votre eau de rinçage, vous rincez avec. Vous laissez l'eau sécher sur vous. Les gens qui sont dans les pays là où fait froid, hein, utilisez l'eau tiède pour ne pas attraper froid. OK? Donc, vous pouvez utiliser l'eau tiède, il n'y a pas de souci, c'est pas obligé d'utiliser l'eau froide. Non, l'eau tiède. OK? L'encens, vous le brûlez un seul jour, le même jour où vous avez écrit vos souhaits sur les feuilles de laurier. C'est le mélange que vous allez laisser poser 3 jours. Au quatrième jour, vous prenez le bain avec, donc vous vous rincez avec, de la tête aux pieds. 3 jours. 3 jours. OK? C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Sur ce, portez-vous bien. À bientôt. Bonne chance.